Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo qui va peut-être pouvoir aider nombre de nos artisans qui malheureusement sont victimes de la hausse des coûts de l'énergie. Donc voilà ce qu'il en est. Je voulais vous proposer à tous quelque chose d'exceptionnel qui va changer la donne. La fameuse taxe Tobin. Mais à la différence étant, c'est que nous allons utiliser Internet pour faire cette fameuse taxe. Pour cela, pour peu que vous vous abonniez à ma chaîne ou à une autre chaîne, c'est pas un problème. Donc, vous vous abonnez, vous mettez le pouce pour faire tourner la vidéo, et à partir de là, le fait est que mon objectif est de faire en sorte que si nous arrivons à avoir un nombre de personnes conséquentes sur la chaîne, tout l'argent, en tout cas 99,9% de l'argent récolté sera pour les artisans français. Je vous laisse imaginer, c'est une utopie peut-être, mais je la lance quand même au cas où, si ce n'est pas moi qui la prends, quelqu'un d'autre peut la reprendre. 60 millions de Français, si ce n'est pas plus, ou de personnes qui ont une connexion Internet. Avec la chaîne YouTube, vous êtes en mesure de générer de l'argent et donc de peut-être pouvoir aider nos artisans et nos commerçants. Ce qui fait que un groupe électrogène peut être acheté, par exemple, pour nombre d'artisans, avec bien sûr la personne qui installera tout cela, sans que l'artisan ait à débourser la moindre chose. Autre chose qui peut être intéressante par rapport à cette taxe, si elle vient fonctionner. Par rapport à ceux qui n'ont pas pu malheureusement redresser le tir et n'ont pas pu changer d'opérateur par rapport à l'électricité. Ils pourront payer et donc se contenter du groupe électrogène qui sera acheté pour pouvoir, entre guillemets, travailler et si possible tenir le choc. Mon propos a l'air d'être un petit peu utopiste, mais aujourd'hui, je propose quelque chose à la différence de certains qui peut-être ne proposent rien. L'attente vis-à-vis du gouvernement, peut-être, ce serait susceptible d'être une bonne chose, mais là, rendez-vous compte. Pour peu que vous soyez extrêmement nombreux, des millions, voire des milliers peut-être à vous abonner, ne serait-ce que sur ma chaîne, ça fera toute la différence pour peut-être les artisans. Mon objectif pour pouvoir faire en sorte que ça soit d'autant mieux, sachez que ce n'est pas forcément moi, ce sera peut-être un autre. Mais si ça passe par moi, je ferai en sorte qu'il y ait une transparence totale. La transparence hors de question de, si je puis dire, toucher cet argent pour, entre guillemets, pour ma propre personne. Je veux vraiment être dans l'aide vis-à-vis de mes compatriotes. Et pour pouvoir ce faire, la transparence devrait être totale. Donc, à coup sûr, je vais créer un compte sur mon bancaire pour faire en sorte que cet argent soit, entre guillemets, placé sur son compte. Ce propos que je vous tiens, ne vous formalisez pas, ne vous dites pas « il pense à lui ». Si d'autres peuvent le faire à ma place, qu'ils le fassent. Mais moi, je vous propose cela parce que je pense que ça peut faire la différence. Je vous donne, entre guillemets, une trame, un départ qui peut-être sera repris par d'autres et d'autres feront mieux que moi. Mais il le faut à tout prix, si possible, aider nos artisans. Et donc, j'en reviens à Internet. Pour peu que vous soyez des millions sur un compte, au lieu de regarder des vidéos de votre choix. Là, vous allez vraiment pouvoir aider des artisans français. Donc moi, mon objectif, pour ma part, il est simple. Transparence totale. La taxe Tobin, c'est de mémoire 1% des... 1% des capitaux mondiaux qui sont entre guillemets, sur lesquels on prélèverait de l'argent. Moi, ce que je propose, c'est de faire en sorte que 99% de la somme que, en tout cas, que je réussirais à avoir via Internet soit utilisé pour les artisans. Et 1% pour que moi je puisse me déplacer pour voir ces fameux artisans et voir quels sont leurs besoins et faire au jour le jour des vidéos vous permettant de voir ce qu'il en est et comment ça fonctionne. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent pour le plaisir de l'argent, mais c'est vraiment faire de l'argent pour, entre guillemets, que les Français du quotidien, les Français qui, entre guillemets, nous servent et nous aident, puissent être les premiers bénéficiaires.
C'est une sorte, c'est une, à coup sûr, c'est une fortune, c'est une utopie, mais qui sait, si ça vient à fonctionner, eh bien écoutez, abonnez-vous, mettez un pouce et faites tourner la vidéo, et peut-être que nous pourrons, avec cette peut-être utopie qui est loin d'en être une, si vous vous abonnez, nous pourrons aider bon nombre de gens. Donc, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, que d'autres la reprennent et fassent mieux. Donc, je vous envoie ceci sans. C'est une bouteille à la mer. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ainsi qu'un début de bonne année pour tous. Mais bon, bref. À bientôt.